Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Mobile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer notre petite vie. Hein. Ticket Simflouz. Alors, hein? Je peux avoir un bébé avec Sonia. Mais on la connaît pas, ce Sims. Je comprends. C'est une invitée. What? Ouais, il me faut encore 2 tickets Sims. Donc, ça, c'est mort pour l'instant. Alors, pour avoir des. Je ne sais pas combien on peut avoir de bébés. Parce qu'on m'a demandé que ça en question. Je ne sais pas combien on peut avoir de bébés en totalité. Je pense qu'on peut en avoir peut-être. Allez, 2. 4 maximum. Je dirais ça, hein, vu d'œil du tableau. Mais ouais, donc après, sinon, pour ajouter des Sims, bah, il faut payer 175 billets. Hein, je le redis parce qu'on m'a encore demandé. Voilà, donc si vous voulez avoir 4 Sims, il faut payer. Et ouais, bah, oui. Et c'est pour ça que je regrette d'avoir de plus avoir ma sauvegarde sur ce coup. Parce que bon. Après, on m'a aussi dit comment t'as fait pour avoir autant de Sims cash? Bah, c'est pas moi, c'est bugué, tout simplement. Parce que regardez, si je fais débloquer pour 175, vous voyez que j'ai rien, quoi. J'ai pas de Sim cash. C'est un gros bug, je sais pas pourquoi je l'ai, mais en tout cas je l'ai, et ça m'embête un peu, ça m'a fait peur aussi. Enfin, c'est pas trop grave, hein, mais ouais, sur le moment, c'est clair que ça fait peur. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient encore bien progressé dans leur maison. On ira voir ça dans le futur, pas encore maintenant. Pas encore maintenant, j'avais dit que j'allais le faire, mais finalement on va s'attarder un peu au jeu parce que c'est vrai qu'on a beaucoup fait la même chose. Donc là, on va juste aller augmenter le travail. On a 78% pour le truc barista. Donc on va peut-être essayer de l'améliorer dans cette vidéo. Donc nous, on va faire une période de travail normale. Hein, c'est tout à fait. Ça, j'en ai pas par contre. Non, j'en ai pas deux. Tout à fait normal de faire une carrière normale. On va se préparer un thé sophistiqué. Pour débuter cette petite journée. Voilà, attendez, je baisse un peu le son. Parce qu'après, vous allez l'entendre en écho. C'est pas cool. Mais comme on a vu le restaurant la dernière fois, voilà, je voulais un petit peu augmenter ça. Oh, on peut déjà faire un truc. Allez, vas-y, on va tenter. Non, bois, bois. Ah, oh là là, mais t'abuses, hein, c'était un truc sophistiqué. Bah oui, c'est vrai, c'était sophistiqué. Allez, c'est pas grave, on va discuter, on va essayer de remonter ça. On a 3h37 pour accomplir cet événement. Voilà. Et je pense qu'on ira faire un événement spécial avec avec Emma. Voilà. Par contre, l'enfant doit grandir, hein, normalement, mais je sais pas pourquoi, moi, il grandit pas pour le moment. Je sais pas pourquoi. On a fait tous les événements. J'ai pas tout saisi, mais. Ah, c'est pas grave, hein. On verra bien après. Non, lui, il veut pas. Je suis sûr qu'il veut pas. Donc, de toute façon, on va nettoyer la machine à cappuccino. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses mises à jour encore. Je me demande ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire... Parce que l'événement de l'été, là, il est déjà terminé. Mais est-ce qu'ils vont refaire un événement dans l'été? C'est ce que je me demande, en fait. C'est vrai, hein, on en a eu un en début. Mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose encore 2 événements? Je sais pas. Ça reste à voir. On verra bien. Hein. Poum, poum, poum. Ah non, ça a marché là, normalement. Yeah! Non, mais oh. Il manquerait plus que ça ne fonctionne pas. Et on l'aurait dans le baba. Voilà. On va parler café. En fait, finalement, là, je vais rattraper mon niveau qui était dans les 24, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y a encore une dizaine de niveaux et c'est long, mais je veux dire, parce que j'y joue pas beaucoup, mais c'est vrai que je rattrape tout doucement mon niveau d'avant. Hein. Bien sûr, j'avais beaucoup plus de Sims et tout. Et j'ai raté beaucoup d'événements aussi. Donc c'est pas trop grave non plus, on va les voir peut-être l'année prochaine, hein, mais ça, c'est vrai que bon bah comme le jeu venait de sortir, il y a des événements qui sont pas apparus. Bon par contre arrêtez de me remettre ça s'il vous plaît, on peut pas bloquer. Eh, c'est bloqué. Regardez, je suis bloqué en mode zoom là. Wow, wow. Ah voilà. C'est débloqué.
Allez, on va appeler mon petit Pierre, on va le faire redormir, regagner de l'énergie. Voilà. Et un petit rinçage rapide. Et moi, elle reste plantée là-bas. C'est ça aussi qui est dommage, c'est qu'en fait, les Sims que vous ne contrôlez pas, comme le fils, vous voyez, bah, lui, il s'active un petit peu. Bah, le Sims que vous ne contrôlez pas, bah, lui, il reste planté devant le loisir ou bah, devant la machine où il était dernièrement. C'est dommage. Allez, on va partir. Je pense qu'on fera bientôt peut-être un live, mais sans jeu. Quelque chose qui est comme une radio, un podcast, un truc comme ça. En fait, où on va parler des Sims. Ce serait sympathique à faire, ça. J'en avais déjà parlé une fois, et c'est vrai que maintenant qu'on peut faire en live. Allez, on va tenter de suggérer à cette madame de prendre. Bon, ça a échoué, on l'a eu dans la figure. On l'a eu dans la figure, le café. Ça, c'est ballot. Mais c'est vrai, oui, j'ai même pas fini, quoi. Regardez, il me reste que 12 en énergie. Ça a pas avancé. Ça a pas avancé. Voilà, allez. On va essayer de gratter des points. Et vas-y, dis-moi que ça marche. Mais ça, c'est ça qui est chiant aussi, parce que bon, bah, mon truc de confiance, on le voit pas. Et faut attendre qu'il le dise, mais même quand il le dit, voilà, c'est une chance d'échouer. Et là, ça fait 3 que j'enchaîne, 3 que ça échoue, quoi. C'est pas bien. Allez, on va se faire notre petit café. On a réussi ce geste magnifique. On va servir. Non, je veux juste servir mon café. Voilà, donner mon expresso, s'il vous plaît. Et on a autre chose à. On a autre chose à donner normalement. C'est où le thé sophistiqué? J'ai pas fait un thé sophistiqué? Ah, bon, je pensais. Alors, attendez. Non. On va nettoyer la table et on va prendre Emma pour aller se diriger vers un événement. Enfin, on va voir déjà ce qu'il nous propose en termes d'événement. Allez, on va faire venir ici. C'est vrai que je fais pas beaucoup mes quêtes. Hein. On a quoi en quête sinon? Le jardin est à nouveau. Alors, donc, quand on le... Ouais, bah c'est pour libérer de l'espace. Nouvelle relation, gravir les échelons. Loisir entre amis, modeler, d'accord. Des hauts et des bas, agrandissez votre garde-robe. Une demande merveilleuse, c'est le moment de faire la grande demande. Bah oui, mais j'ai déjà été en mariage. En fait, vous avez des quêtes supplémentaires, mais c'est clair que bon. Speed dating au parc, où on fait un vide-grenier sur la place. Elle a pas vraiment de besoin de speed dating, mais bon. Bon, en fait, c'est ici le truc, l'événement là. Speed dating, oh, par contre, on y est. Mais avant, je vais aller dans la maison. Parce qu'on va agrandir. On va enlever quelques trucs pour faire les pièces. Voilà, 640 team flouze. Ça fera valider une quête en fait. Voilà. Donc, certaines zones, vous pouvez pas les déblayer. Hein. Il faut vraiment impérativement que vous changiez ça. Enfin, que vous atteigniez une. Enfin, le style, vous débloquez le style de vie qui est là, donc moi je suis rebelle. Donc on peut pas tout débloquer d'un coup. Allez, on va reprendre Emma. Emma qui est revenue. Nous on va partir au parc. Il y a quoi, la place du marché? Ah, c'est mon restaurant. Et ça doit être le truc, le vide-grenier. Bah écoutez, on va se faire un petit vide-grenier, hein, d'accord? Allez, c'est parti, on se fait un petit vide-grenier. On va voir s'il y a des gens, on va regarder, on va marchander sur certaines choses. Se dispute à propos... Mais il n'y a personne, en fait, c'est ça que... Ça n'a pas été corrigé, hein. Le parc, là, en fait, j'ai remarqué qu'il y a rarement des gens. Que ce soit pour la fête de la musique qu'on avait fait ou...
Bah, y a personne. Du coup, ma Sims, elle parle toute seule. Comparé au speed dating, où là, il y a quand même du monde. Ah, attention. Il y a des gens qui arrivent. Peut-être que c'est débloqué. On va voir ça. En tout cas, il y a deux personnes. Donc, ils viennent d'arriver seulement maintenant, en fait. Et c'est vrai que la fête de la musique, je crois qu'il y avait juste une personne. Donc ça, on va pas le faire parce que pour l'instant, c'est pas intéressant. On va l'échouer. Ah, elle est partie dans le restaurant. Je crois que c'est de la collecte de travail en plus. Alors, on va tenter. Dis-moi que ça fonctionne. Yeah. Et n'empêche, j'ai envie de vous dire, il fait encore chaud, hein. Ça me bloque la respiration, j'ai du mal à tourner en fait, c'est en cette période de chaleur, c'est horrible. Non, on va pas se disputer, on va tenter. Je cherche quelque chose avec plus d'étoiles, mais il y a l'air que j'ai tout fait, donc maintenant il nous reste que des une étoile. C'est pas bien ça aussi, les une étoile. Ah, ça y est, évaluer le coup. Un petit vide-grenier, ça fait toujours plaisir. Bon, ça va, ils ont eu le mérite de pas mettre les mêmes objets. Ça, c'est cool. Mais dommage qu'on peut pas acheter vraiment quelque chose, en fait. Alors, on va regarder les objets. D'accord. Chercher un prix spécial. On va faire ça. Mais on va rentrer direct à la maison pour se ressourcer. Comme ça, on sera tranquille avec ça. Et on pourra re-enchaîner. Appeler. Ouais, voilà. Hop, on peut faire une petite sieste. Je voudrais la baignoire aussi pour regagner un peu d'énergie, mais elle coûte cher. Et je crois qu'il faut la débloquer. Je crois que je vais aller voir ça. Alors la baignoire. Ouais, la baignoire, faut être niveau 17 et 301 sim cash. Alors ça, franchement, qu'ils mettent des sims cash, ok. Hein, c'est pour gagner du beurre. Mais autant qu'ils pensent à ceux qui ne veulent pas mettre de l'argent ou qui... Bah voilà quoi. Qui nous permettent de l'acheter avec de l'or, des Sims or, quoi. C'est tout à fait normal, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, y est. Electronic Arts. Ah, bah. Il n'y a plus personne qui veut faire une prise de risque là. Donc on est remonté à plus de 20 énergies. Donc ça c'est bon. On va enchaîner. Contempler. Bah, pour l'instant on a que des 10, des 15. Donc c'est pas beaucoup comme étoile. On va se disputer, tiens. Boum boum boum. Tiens, je vais donner un stickers. Quoi? J'ai pas assez de sim cash. Il faut un sim cash maintenant pour les stickers. What the fuck? Je comprends pas tout. Je crois que je lui ai donné en plus. C'est ça le pire, mais il me demande des sim... Ouais. Non mais c'est bon, hein, regarde mon chrono, c'est 4 millions. Rast bug. Je reviens toujours pas en fait. Ah, une prise de risque, allez, on tente. Ah, on va peindre. Créativité, power, action.
Et elle a réussi. Un cool panda, un portrait. Regardez pensivement. Bon, on va acheter la licorne. Chercher un bon prix. Ah, on va peut-être le finir, on va peut-être le finir. Imhotep, Imhotep, qui sait. En attendant, ben, Pierre, ben, il se recharge son énergie, donc on va peut-être pouvoir finaliser ce qu'il a commencé en tant que barista. De toute façon, vous inquiétez pas, même si vous le voyez pas, bon, bah, je vous dirai si dans la prochaine vidéo, s'il a monté tout ça. Ah, mais hey, ce serait trop bien de pouvoir mettre des piscines dans Sims Mobile. Ce serait trop de la boule. Contempler le stock. Il nous en reste 4. 4 petites énergies. Aimer la compagnie actuelle. Oh bah elle se fait draguer elle. On n'est pas au parc du speed dating mais elle se fait draguer. C'est Nikolai Kaiser. On va se débattre. Le langage des sourds comme on dit. Débattre après quelque chose et au final, ça mène nulle part, toujours à un mur. Ah bah c'est bon, on n'a plus, donc on va aller revoir Pierre. Bon, on a eu que 3. Ah, c'est dommage. On va nettoyer les marques de café. Mais de toute façon, là, j'ai plus rien. Ouais. La baignoire, ça rend quand même 15 énergies. Hein. On va nettoyer la table. Et on va se quitter ici, les amis. Alors, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye.